Et le débrief de cette séance des questions au gouvernement avec Clément Méry. Clément, vous êtes à côté de l'hémicycle, vous avez suivi cette séance. Qu'est-ce que vous en retenez? Ça a été une séance assez mouvementée, hein, Brigitte, vous avez pu le voir, avec notamment le cas de cette enseignante qui a été braquée par un collégien. Cela a donné lieu à pas moins de 5 questions au gouvernement. La plus virulente d'entre elles, c'est Valérie Beauvais qui l'a adressée à Jean-Michel Blanquer, qualifiant le ministre de l'Éducation nationale de ministre de l'impuissance politique. Le ministre lui a répondu, il a été chahuté lors de sa réponse, il s'est interrompu et il a fait la leçon en quelque sorte. Vous donnez l'exemple du chahut, c'est un mauvais exemple pour les élèves qui nous regardent, a-t-il expliqué. Cette séance, elle a aussi été marquée par la première question posée au tout nouveau ministre de la Culture, Franck Riester, question posée par Aurore Berger, qui a ciblé, sans le nommer, Jean-Luc Mélenchon et ses attaques contre la presse ces derniers jours. Réponse de Franck Riester, rien ne justifie des menaces ou des incitations à la haine contre les journalistes. Et puis ça a été une séance mouvementée, voire folklorique, si l'on peut dire, avec notamment des prises de parole de 2 députés alsaciens qui ont mis en avant leur accent, Jacques Catin, pour la droite, et puis Bruno Studer qui, lui, s'est lancé dans une envolée lyrique à la gloire de l'accent alsacien, envolée qualifiée de moment glottophile par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Merci Clément Méric pour ce débrief de cette séance de questions au gouvernement. On va d'ailleurs revenir sur une des questions dont vous avez parlé, celle de la députée Valérie Beauvais, députée Les Républicains de la Marne. On écoute la réponse de Jean-Michel Blanquer, c'est au sujet de cette enseignante braquée par un étudiant à Créteil. Ce qui est excessif et dérisoire, et ce que vous venez de dire est très excessif. Dès le début, l'institution a réagi. Et elle a réagi avant vous, avant que vous ne sachiez quoi que ce soit. Les jeunes ont immédiatement... Une plainte a été déposée. Les jeunes ont eu une mise en examen. Est-ce que c'est possible de vous répondre? Est-ce que vous voulez donner... Vous êtes en train de donner l'exemple du chahut. Vous êtes en train de donner l'exemple du désordre. Premièrement, il n'y a eu aucun laxisme dans cette affaire. Les sanctions les plus fermes seront prononcées. Deuxièmement, depuis que je suis arrivé, et pour la première fois, on a dit qu'en effet, il ne fallait pas dire pas de vagues dans les établissements. Et en effet, nous sommes en train de réagir établissement par établissement quand il y a des difficultés. Et en effet, nous sommes en train de créer des pistes de politique publique qui enfin prennent ce problème à bras-le-corps. Sarah El Haïry, est-ce que la hiérarchie est à la hauteur? Est-ce que Jean-Michel Blanquer a bien réagi dans cette affaire? Oui, parce que l'école est un lieu sacré de la République, et je pèse mes mots. Tout le projet présidentiel qui est en train d'être porté, la lutte contre les inégalités commence à l'école. Et les images qu'on a tous vues étaient choquantes, inacceptables. Il y a au cœur de ces images l'école de la République. Et finalement, oui, il y a de la fermeté. Oui, peut-être, à l'époque, il y avait la question de « il ne faut pas faire de vagues ». Aujourd'hui, la position est claire. Oui, il faut des procédures disciplinaires. Mais il faut quelque chose comme ça pour que la parole se libère. Parce que là, on voit sur les réseaux sociaux, avec ce hashtag pas de vague, une libération de la parole. Ça veut quand même bien dire qu'avant, les professeurs ne parlaient pas. Et ça veut dire qu'on leur disait aussi de ne pas parler. C'est des décennies. C'est des décennies de messages plus ou moins clairs. Moi, ce que je sais, c'est pour avoir travaillé avec M. Blanquer, entre autres avec mon rapport spécial, eh bien, ce n'est pas du tout la position de la majorité actuelle ni du ministre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tabou. Il ne faut pas avoir de tabou. Et encore plus à l'école. Il faut protéger nos enseignants. Il faut que l'ordre soit établi. Mais il faut aussi qu'on réponde sans démagogie et avec la globalité des réponses. La globalité des réponses, c'est quoi? C'est que oui, il faut accompagner les élèves les plus en difficulté. Oui, il faut de la fermeté. Oui, il faut aller jusqu'au conseil de discipline. Et c'est nécessaire d'inclure également les familles et d'inclure a posteriori d'une exclusion. Comment on accompagne? Il faut laisser personne sur le bas-côté. Des actes de violence comme cela sont inacceptables. Et en fait, la parole s'est libérée aussi avec la viralité, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux. Ces images ont été extrêmement choquantes. Enfin, ce jeune homme avait une arme à la main. Mm. Il avait une arme au poing. Mm. Un factice, on l'a appris après. Oui, mais sur le moment, c'est inacceptable, c'est inimaginable en France. Mm. Et c'est pour ça que je pense que ce travail d'explication, que les enseignants se sentent libres de parler, d'accompagner, et ils trouveront, en tout cas, à leur côté, les parlementaires et le ministre, j'en ai la certitude. Hugo Bernalicis, on découvre là un malaise du corps enseignant?
Écoutez, moi, je suis toujours mal à l'aise de faire d'un fait divers une généralité comme ça, parce que c'est aussi la vie médiatique et la vie politique que de se dire, dès que, voilà, il y a des agressions de professeurs avec des vrais coups de couteau. Il y en a déjà eu par le passé sous le précédent gouvernement. Donc, s'il vous plaît, n'en rajoutons pas là où il n'y a pas besoin d'en rajouter. Bon. Sur l'affaire Pas de Vague, c'est un système éducatif, et effectivement, Jean-Michel Blanquer est dépositaire de ça. Et bon, j'ai pas l'impression qu'il aille à l'encontre de ça, mais c'est le système de compétition entre les établissements. Parce que pourquoi on cache? Pourquoi on dit Pas de Vague? Parce qu'il ne faut pas montrer à l'extérieur qu'il y a des problèmes. Pourquoi il ne faut pas montrer à l'extérieur qu'il y a des problèmes? Parce que sinon, vous n'attirez pas les futures familles, les bons élèves, etc. Et que vous ghettoisez dans votre établissement. Mais oui, mais c'est ça la réalité. Donc si on ne rassure pas tout le monde, si on ne fait pas les efforts qui doivent être faits pour éviter que les populations se ghettoisent, c'est-à-dire les plus pauvres entre eux et les plus riches entre eux, eh ben, on aura toujours ce genre d'injonction plus ou moins directe à ce qui n'est pas de vague et à cacher les choses. Bon, après, au-delà de ça, c'est la réponse qu'on donne à tout ça derrière. Parce que, La proposée par Jean-Michel Blanquer, vous trouvez comment? Interdiction du portable à l'école, un comité stratégique qui doit voir le jour? Oui, bon, un comité stratégique, tant mieux, on fait des comités stratégiques, je ne vais pas être contre, mais c'est un ensemble. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, vous l'avez rappelé juste avant, et notamment, il y a une question à laquelle il a répondu, je pense que ça aurait été plutôt à la ministre de la Justice, mais elle n'était pas là, mais Jean-Michel Blanquer a répondu sur l'ordonnance de 45, sur la justice des mineurs, parce que c'est ça aussi le lien du sujet. Qu'est-ce qu'on donne derrière? Ok, exclusion, ok, mise en examen. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? La politique du gouvernement, c'est construire 20 nouveaux centres éducatifs fermés. Les centres éducatifs fermés, mis en place par Nicolas Sarkozy, dont on sait qu'ils ont les pires résultats en termes de récidive, de fugue, et qui conduisent à plus de 70%, même 80%, à de la détention. Une fois que vous avez fauté dans le système éducatif, vous êtes mis à l'écart et progressivement vous allez dans le système pénitentiaire. Voilà ce qui arrive à tous ces jeunes-là, et c'est pas vrai. Aujourd'hui, la République n'est pas en capacité de réhabiliter, de remettre, de réinsérer, de remettre dans le schéma normal tous ces jeunes qui fautent. Alors on peut se féliciter de la fermeté, mais c'est pas très, comment je vais dire ça, glorifiant, gratifiant pour des politiques que de se dire qu'on a écarté pour une durée indéterminée en réalité, des jeunes de la société tout entière. Et moi, je ne souhaite pas construire des centres éducatifs fermés. Ce que nous proposons, c'est strictement l'inverse. Il y a des tas de dispositions en milieu ouvert qui fonctionnent extrêmement bien. Et pourtant, ce n'est pas là qu'on met les moyens. Voilà, donc je pense qu'il y a une réaction politique. Ok, il faut, quand il y a un problème, transmettre au parquet, transmettre au procureur de la République quand il y a des infractions, etc. Mais il faut aussi que dans le suivi derrière, on soit conséquent. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous ne sommes pas à la hauteur. Sur la sanction judiciaire, il faut revoir peut-être pour les mineurs. Tout à fait. Cette question a été posée d'ailleurs par mon collègue Modem Erwan Balanon. Mm-hmm. Et c'est la question de la globalité. Je pense qu'il faut sortir de ces situations où il y a une seule réponse et finalement tout est caricaturé. La question de la sécurité. Le gouvernement, une seule réponse. Absolument centre pas. Éducatif fermé. Absolument une seule disposition un dans le projet de loi sur la justice. Cher collègue, absolument pas. Ah, je suis désolé. Qu'est-ce qui a été mis les en place? Qu'est-ce qui a été? Mais bien sûr, qu'est-ce qui a été mis en place? La question évidemment des centres d'éducatifs fermés, mais pas que. La question de l'accompagnement des enseignants, la question de l'accompagnement des parents, parce que un enfant, il est souvent pas seul, c'est dans le cadre des familles. C'est la question également de plus de sécurité aux alentours des écoles. La sécurité est la première des libertés. Non, la sûreté, pas la sécurité. La sécurité, ça c'est un slogan de Jean-Marie Le Pen, vous regarderez ses affiches. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre bon droit. Je considère que c'est une priorité de la République et il est important que les enseignants Moi je pense que c'est la sûreté élèves, la priorité. Et les la élèves. Sûreté, pas la sécurité. Et les élèves doivent être dans une ambiance propice à l'apprentissage. Évidemment, qui dirait le contraire? C'est ce que vous venez de dire. Je dis le contraire, je veux pas un environnement propice pour l'élève, c'est ça? Vous avez caricaturé en disant, oui, il n'y a qu'une seule réponse, alors qu'absolument pas. La seule réponse, c'est les centres éducatifs fermés. Pas du tout. Mais pour le jeune, si. Alors après, pour les enseignants qui ont de l'accompagnement, très bien. Pour les familles qui ont de l'accompagnement, il y en a six. Je coupe ce débat parce qu'Agnès Buzyn est en train de s'exprimer à l'Assemblée nationale. On va retrouver la ministre de la Santé. Elle évoque le reste à charge zéro. On l'écoute. Ils sont engagés à avoir des contrats plus lisibles et plus transparents. Et je vais y veiller. Nous avons un comité de suivi au mois de décembre. Nous avons un observatoire des prix. Et tout cela va faire l'objet évidemment d'un suivi attentif car elles se sont engagées à mes côtés. Après, cette réforme, elle va bénéficier aux personnes retraitées parce que ce sont eux qui ont le plus besoin aujourd'hui des lunettes, des soins dentaires et des prothèses auditives. Et puis je rappelle que nous créons dans le financement de la sécurité sociale cette année, dans la loi qui va être discutée aujourd'hui, nous créons une complémentaire à moins de 1 euro par mois pour les personnes qui ont moins de 1000 euros de revenus. Ça concerne 1,2 million de Français qui aujourd'hui ont du mal à accéder à une complémentaire et qui vont accéder à une complémentaire à moins de 1 euro par jour.
jour. Et donc aujourd'hui, cela concerne essentiellement les petits revenus et les petites retraites. Enfin, je voudrais dire que cette réforme, elle est absorbée aux trois quarts par la Sécurité sociale. Le coût de cette réforme est pris en charge aux trois quarts par l'assurance maladie et seulement un quart par les complémentaires. Leur engagement est de ne pas augmenter les prix. Vous avez les moyens de leur faire respecter cet engagement et d'assurer aux Français que leurs complémentaires ne vont pas augmenter. Vous baissez les micros, là, les radios. Bien sûr que j'ai les moyens. Déjà, en rendant transparent les pratiques, puisque les engagements ont été pris, que le coût de cette réforme va être absorbé par l'augmentation naturelle des coûts des complémentaires chaque année. Et c'est la raison pour laquelle la réforme se met en place sur 3 ans, de façon à pouvoir absorber le surcoût. Et je rappelle que 3/4 du coût de cette réforme, c'est la Sécurité sociale qui va le prendre en charge. Enfin, je tiens à rappeler que cette réforme, elle va bénéficier aux Français. C'est 1 milliard d'euros qui, à terme, sera économisé par les Français. C'est l'argent qu'ils mettent de leur poche aujourd'hui pour acheter des lunettes, des prothèses auditives et des soins dentaires. Et c'est cet argent-là que nous leur rendons. Voilà, vous venez d'écouter Agnès Buzyn qui s'est exprimée sur le reste à charge zéro. Il n'y aura pas de coût hein, pour le citoyen. Est-ce que Hugo Bernalicis, vous croyez la ministre de la Santé, alors qu'on nous dit qu'il y aura des hausses de complémentaires santé? Soit une inversion, soit les chiffres, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais 1 milliard, c'est bien le bon chiffre de ce que met l'État. Le coût du dispositif, c'est 4,5 milliards. Donc ce n'est pas les 3/4 pris en charge par la Sécurité sociale, c'est les 3/4 pris en charge par le système mutualiste. Bon. Et vous voyez le truc, on vous dit 1 euro par jour, finalement ça va. Bon, qu'est-ce que c'est 1 euro par jour? Ça fait combien par an? Ça commence à faire déjà 365 euros par an. Hein, bon, l'addition à 365 euros pour des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, eh ben, ça fait la différence. Et c'est dans ce domaine-là, puis dans plein d'autres domaines. Donc ça commence à bien faire les petites augmentations innocentes. Et la ministre finalement se trahit elle-même. Elle dit, ce sera pris en charge par l'augmentation naturelle des mutuelles. C'est quoi l'augmentation naturelle des mutuelles? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? 3%? 4%? Donc ça veut 5%. Dire que c'est le citoyen qui va payer? Comment ça se passe, Sarah El-Haïry? L'engagement qui a été pris, c'est d'ouvrir des droits à des populations les plus fragiles. L'élargissement de la CMU-C, la question du zéro reste à charge pour, effectivement, le dentaire, pour les yeux, hein, pour l'optique et l'auditif. C'est pas tout le dentaire et c'est pas tout l'optique. Hein. C'est permettre à des gens qui n'ont non, aujourd'hui faut être précis, le choix. Vous vouliez être précise mais, tout à l'heure, monsieur Bernalicis, moi je ne vous coupe permettre pas quand à vous prenez, bah, si, vous prenez la, quand vous prenez la parole. C'est permettre à ceux qui aujourd'hui ne se soignent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de ce reste à charge, d'accéder à ces soins. L'effort, il est collectif. C'était un engagement du président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le mettre en place, le mettre en œuvre, avec la co-construction des mutuelles. Et c'est là l'élément essentiel. C'est qu'il y a eu, avec les mutuelles, un travail de co-construction pour trouver ce point d'équilibre. Et ce point d'équilibre a été trouvé. Demain, ce sont des Français qui sont mieux protégés. Ce sont mais des non, Français, bien sûr que si. Mais in fine, qui va payer? Malheureusement qui va payer pour les Français, Et si les mutuelles augmentent leur prix? De toute façon, le in fine, il faut être très clair. De toute façon, c'est toujours le contribuable. Soyons très clairs, c'est toujours bon, voilà. Soyons très honnêtes. Le budget de la Sécurité sociale, c'est qui? C'est les citoyens français. Qui paye la mutuelle? C'est les citoyens français. Vraiment, vous supprimez des cotisations. Alors après, c'est difficile de s'y retrouver. Mais soyons très honnêtes. Puisque c'est la CSG qui va financer, donc les retraités. Bon, bravo. Cette réforme, c'est l'équilibre pour la protection des plus fragiles. Oui, sauf que c'est les retraités qui payent tout, finalement. Il est bien là le message. Pas du tout. Là, vous êtes dans du slogan et des éléments. Non, je suis pas dans du slogan. C'est les retraités qui sont venus me voir hier. La question, c'est comment on accompagne ceux qui n'ont pas, effectivement, la possibilité même d'avoir une mutuelle. Et finalement, même pas d'avoir des lunettes. Mais moi, je veux pas que les gens aient une mutuelle. Je veux que ce soit remboursé à 100%. À 100%. Mais c'est exactement ce qu'on a. En mutuelle, 100% par la Sécurité sociale. Ça, ça aurait été ambitieux. Bah non, c'est pas ça qui se passe. Il n'y a pas un peu de tromperie sur la promesse présidentielle? Non, vous savez ce que je vous propose, c'est de faire un état des lieux avec la mise en place de cette réforme. Et quand on verra les gens qui ont enfin la possibilité d'avoir des soins dentaires et des lunettes ou encore de l'auditif, parce que c'est les populations les plus âgées qui en ont besoin, alors on pourra évaluer. Mais c'est tout ce que je souhaite pour le pays. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va arriver. Vous le savez aussi bien que moi. Mais vous êtes dans le slogan de la communication. Alors tout ça, en tout cas, ça grève un peu le pouvoir d'achat des Français. C'était la question de Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste et apparentée tout à l'heure dans l'hémicycle. On va écouter la réponse que lui a faite le Premier ministre Édouard Philippe. Vous avez évoqué la question de la fiscalité qui s'applique au carburant. Alors, oui, Madame la Présidente, nous voulons faire en sorte que l'utilisation constante et croissante du fioul ou du pétrole soit moins simple. Nous devons aller
dans cette direction. Et pour aller dans cette direction, nous devons accompagner ceux qui sont les plus fragiles et qui subissent évidemment les prix et le coût. C'est ce que cette majorité fait quand elle développe la prime à la conversion. C'est ce que cette majorité fait lorsqu'elle augmente le chèque énergie. Et vous savez parfaitement, Madame la Présidente, que si l'on veut accompagner cette transition, il faut prendre et ces mesures courageuses s'agissant des prix et les mesures d'accompagnement qui sont contenues dans le PLF 2019 et qui seront mises en œuvre progressivement grâce à l'appui de cette majorité. Gouvernail, si son campagne électorale, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup fait de l'écologie un de ses chevaux de bataille. Est-ce en 2012 que, aussi, hein, déjà. La transition écologique, est-ce que ça doit passer par une hausse des prix du diesel notamment? Est-ce que c'est une bonne mesure écologique pour le gouvernement? Dans l'absolu, moi je suis pour qu'on diminue la consommation de diesel. Donc si ça doit sans doute passer par une augmentation des prix. Mais c'est tout le modèle qu'il faut revoir. Parce que, qui aujourd'hui, et c'est le même argumentaire, vous avez déjà dû l'entendre au moins 100 fois, des petites gens qui roulent prioritairement au diesel parce qu'on leur a dit d'acheter du diesel à l'époque parce que le véhicule est peut-être un peu plus cher mais le carburant sera moins cher. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Voilà, c'est ça la réalité. Et qu'est-ce qu'on aide à ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait pas grand-chose. Alors des aides à la reprise du véhicule, etc. Pas grand-chose. 75% des ménages qui ont utilisé cette prime à la conversion sont des ménages qui ne sont pas imposés. Il faut quand même mettre du côté, il faut réinvestir, c'est sur soi. Oui, c'est compliqué. C'est pas l'État. Oui, alors l'État, il a déjà son champ paradoxal. Il leur a dit à une époque, achetez du diesel, l'industrie automobile, c'est la principale industrie du pays. En plus, ça crée de l'emploi, travaillez-y et puis achetez les véhicules. Et puis là, on leur dit, non, c'est pas possible. Et c'est quand même vous qui allez faire un effort. L'État fait certes un effort, mais trop modeste à mon sens. Et d'ailleurs, c'est encore une fois progressif, c'est le mot-clé, progressif, tout doit être progressif. Non, en matière d'écologie, ça ne doit pas être progressif, ça doit être radical. Et pourquoi? Parce que le changement climatique, c'est finalement pas dans 20 ans ou dans 30 ans, c'est maintenant qu'il se passe. C'est maintenant qu'il se passe. Voilà, c'est plutôt radical avec cette hausse de 7 centimes. Vous êtes en train d'applaudir. Non, parce que... Sans vous en rendre compte. La seule chose qui est radicale, c'est la hausse de la fiscalité, pas l'accompagnement. Nous avons pris nos responsabilités. Et parce qu'effectivement, ce n'est pas une mesure simple. Et ce n'est pas du tout une mesure punitive comme on entend cette petite musique. Est-ce qu'on fait l'effort dans les transports en commun? Parce qu'on les accompagne. Est-ce qu'on fait un effort dans les transports en commun? Parce qu'on accompagne les populations qui en ont besoin. Tous les tickets de transport en commun partout dans le pays augmentent. Où est-ce qu'elles sont les aides de l'État? À part les collectivités qui sont... Parce qu'il y a des tarifs sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec les collectivités... Mais venez à Lille, rien du tout. Mais venez à Nantes et vous verrez bien. Regardez les territoires. Oui, parce qu'il peut y avoir une volonté ici ou là. Qu'est-ce que fait l'État pour enclencher ça? Et c'est là où il faut accompagner ça de deux manières. Les populations les plus fragiles, quand on dit la prime à la conversion, quand je dis 75% des ménages, c'est 150 000 ménages qui ont pu profiter de cette aide à la conversion. 150 000, on est 66 millions dans le pays. C'est la mise en œuvre. Ça fait 15 mois qu'on est en mise en œuvre. Pas du tout. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Quand on accompagne pas la longueur des taxes telles qu'elles sont... Oui, parce que c'est nécessaire, même si oui, c'est dur. D'abord les taxes et après l'accompagnement. Mais pas du tout, c'était en parallèle et parce que la réponse est bien plus complexe. Quand on arrête le gasoil non routier, c'est un effort qui est demandé et c'est nécessaire. Mais quand vous cassez le ferroutage, vous mettez des camions sur la route. Mais vraiment, bien sûr que si. N'importe quoi. Mais venez sur la 1, vous allez voir le plus gros trafic de poids lourds d'Europe et en plus on se tape la pollution de l'air. Les industriels à aller vers des engins ou électriques parce que ça existe. Ou qui consomment moins et finalement qui polluent moins. Cet accompagnement, il est compliqué, mais il est fort et il est ferme. C'est sûr, parce que c'est le marché. Il est droit dans ses bottes, donc le gouvernement reste sur cette mesure d'augmenter les taxes sur le carburant. On va écouter à présent Franck Riester, le ministre de la Culture, qui a répondu à une question de la députée de La République En Marche des Yvelines, Aurore Berger. C'était pas une question? C'était pas vraiment une question. On écoute quand même la réponse. Parce que c'est... Vous avez raison, il existe un certain nombre de pays dans le monde où les journalistes sont empêchés, sont torturés, sont même assassinés. Parce qu'ils représentent un pilier de la démocratie, à savoir la liberté de la presse et le pluralisme. Ce pilier de la démocratie, nous devons absolument, nous, le préserver. Je l'ai rappelé lors du 100e anniversaire du syndicat national des journalistes la semaine dernière, le gouvernement et les responsables politiques doivent systématiquement être aux côtés des journalistes qui sont attaqués dans le monde, mais aussi en France. Bien sûr, le journalisme n'est pas exempt de critiques, mais rien ne justifie des menaces, des insultes ou même des incitations à la haine et à la violence à l'encontre des journalistes. Alors évidemment, la question d'Aurore Berger portée sur Jamal Khashoggi, mais aussi sur Jean-Luc Mélenchon qui s'en est pris à ses
assez fortement aux médias, les traitant de tricheurs, de menteurs. La liberté de la presse, aussi la liberté de la critiquer, je crois que personne ne le réfutera. Vous auriez pu axer, vous auriez pu axer votre question sur le fait qu'il y a un conseil de la déontologie qui va être mis en œuvre sur la demande et la proposition de la France insoumise. Alors je sais que ça arrache la bouche. C'est pas contradictoire alors par rapport à l'attitude de Jean-Luc Mélenchon? Non, absolument pas, parce que justement nous aurions pu saisir de ce conseil de déontologie pour ne pas laisser dire tout et n'importe quoi. Parce qu'on pense, oui, qu'il faut une déontologie dans le métier de journaliste, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà ce qu'on pense. Clairement, s'attaquer aux journalistes, c'est pas s'attaquer à la démocratie de notre pays, c'est pas une forme de contre-pouvoir aussi? Non mais attendez, s'attaquer, qu'est-ce que vous appelez s'attaquer? Vous croyez qu'on est allé avec des machettes, égorger des gens, etc. Je tiens à signaler quand même que... Menteur, attendez, je tiens à signaler quand même que là, hein, on parle des pays où il y a des journalistes qui sont attaqués. On fait du commerce avec ces pays quand même là. On entretient des relations diplomatiques très fortes. Pour que ça va 5 minutes, les indignations à géométrie variable. Ça, c'est bien facile. En attendant, 57 journalistes sont morts cette année. Ben et oui. Votre président de groupe, M. Mélenchon, a appelé à la violence. Vous êtes en train de dire qu'on appelle à la mort, c'est ça? Vous êtes en train de dire ça sur ce plateau? Votre président de groupe a des propos qui ont appelé à la violence. Et moi, ce que je dis... Et alors, quel lien avec les morts des journalistes dans les autres pays? Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas alimenter les haines. Je n'insinue rien, j'explique, il ne faut absolument pas appeler à haine. Les journalistes et la liberté de la presse, c'est l'honneur et la puissance de la France. Et qu'il faut les protéger. La liberté de la presse est nécessaire à notre, démocratie. Pas la liberté de la presse, et d'ailleurs, Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires Sociales, a appelé l'ONU hier à une enquête internationale sur la mort de Jamal Khashoggi, parce que c'est essentiel. Et là où je vous alerte, il faut être dans la dignité. Bien sûr, il faut être dans les dignité. La liberté de la presse, réaffirmée sur ce plateau. Merci Sarah Léry, députée Modem de Loire-Atlantique. Merci Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. C'est la fin des questions d'actualité sur LCP. Restez avec nous, bien sûr, pour d'autres émissions.